on est en confiance parce qu'effectivement, on a un responsable de pôle, un directeur de pôle qui nous accompagne, qui fait le point régulièrement. C'est vrai que ça... Oui, on est bien accompagné. Moi, je suis ravie, puisque bon, j'ai accepté la seconde mission, qui n'aurait certainement pas été le cas si le lien ne s'était pas fait, le lien de confiance. Non, c'est quelque chose d'hyper rassurant, de pouvoir toujours appeler le manager encadrant dès qu'il y a un souci, en disant il y a ça qui va un petit peu de travers, quoi. Elle rassure, elle recadre. On se retrouve parfois dans des impasses, et c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, et puis qui amène un regard un petit peu en recul. Parce qu'il y a des fois où on a juste envie de sauter du toit, par exemple, ou de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et puis de mettre fin à la mission, et puis de rediscuter avec un des encadrants de MCG. Ben, on retrouve confiance, on s'aperçoit que c'est pas si grave que ça, puis on continue.